à chaque fois qu'on va voir des leaders syndicaux avec le sondage, enfin, les quatre réformes, hein, donc, qui vont être engagées, qui mettent du temps à être engagées, que ce soit territoriale, réforme immobilière, marché du travail, réforme des professions réglementées, on est avec des soutiens qui vont de 56 à 71%. Les valeurs financières, pas trop mal orientées encore, plus 0,58% pour Société Générale qui cote à 41,54. On a AXA 19,45, plus 0,62%. À noter LVMH aussi qui gagne 0,74%. Les titres à la baisse, on a Vinci moins 1,04. On est à 46,54 sur la valeur. Sanofi moins 0,57 à 85,91. EDF 25,72. On est en repli de 0,5%. Et puis Michelin moins 0,4% à 82,86. À noter une petite consolidation sur Alcatel-Lucent aussi moins 0,38% à 2,64. Et sur ArcelorMittal aussi qui avait pas mal grimpé sur ces trois dernières séances. Moins 0,27%, on est à 11,23€. Le CAC 40 qui est donc sur une petite hausse, on est en hausse de 0,17%, 4458 points, puis l'euro 1,2917. Voilà, c'était les marchés avec Antoine Larry-Gaudry. Retour avec Vincent Beaufils, le directeur de la rédaction de Challenge. Et à la une cette semaine, une photo de Manuel Valls. Peut-il réussir? Avec notamment un entretien avec Jacques Attali. Notez que c'est le Challenge, nouvelle formule fidèle à ce que vous connaissez, mais malgré tout, nouvelle formule est désormais une édition hebdomadaire enrichie avec donc la version quotidienne en ligne le soir, gratuite au début, mais payante ensuite. Mais enfin, franchement, honnêtement, moins de 20 euros pour l'année, je crois que c'est quand même jouable. Et Jérôme Dédéant, le président de Débris RS, et co-animateur du blog partageduprofit.com, et Gaël Sliman, le président d'Odoxa. Alors, on évoquait ces quatre réformes qui semblent aujourd'hui celles qui ont une chance de voir le jour. Il ne reste quand même pas beaucoup de temps avant la présidentielle. Les réformes, les professions réglementées, oui, pour qu'on les réforme à 71%. Les seuils sociaux, oui, à 58%. Toutes les mesures pour relancer le logement qui consistent un peu à défaire ce que Cécile Duflot avait mis dans la loi Allure, oui, à 56%. Passer à 13 régions, oui à 56%. L'opinion est mûre, les partenaires sociaux le semblent moins. Sans relâche, qu'il y a une convergence d'intérêts entre ce que demandent les entreprises pour qu'on leur lâche la bride et les 5 à 6 millions de Français précarisés. Et que cet alignement d'intérêts-là, tout ce qu'on va faire pour les entreprises, va servir les intérêts de ces 5 à 6 millions de personnes. C'est comme ça peut-être qu'on peut réconcilier la nation avec son énergie, sa croissance, son envie d'entreprendre. Ça veut dire passer outre le dialogue social. Je ne vois pas d'autre solution aujourd'hui. Vincent Beaufils. Jérôme ne le sait pas encore, mais il est en accord parfait avec Jacques Attali et sa longue interview dans le journal. C'est là que ça se gâte. Attali, mais avec Emmanuel Macron aussi. Non, Attali très critique globalement sur ces réformes qui vont pas assez vite, pas assez loin, où il dit on a 4 semaines pour sauver le pays. Là, je pense qu'il se fait des illusions. Mais il y a un point très intéressant quand il dit... On lui pose, bon, alors vous êtes à fond sur la politique pro-business, le pacte de responsabilité, etc. Et il répond, mais non, ce discours est positif que du point de vue des entreprises et il ne peut pas être compris. Et il reproche à l'équipe en place de ne pas avoir recadré ça dans un plan de renaissance de la France. Il aurait fallu dire, c'est pas Attali qui parle, voilà le programme précis que je vous propose en vue de réduire les injustices par la mobilité sociale et la création d'emplois. Et pour y arriver, l'entreprise en est le principal acteur. Et je trouve ça... amusant parce que entre un penseur comme Attali et un acteur du monde de l'entreprise comme Jérôme Dédéant, il y a totalement cette convergence de pensée. Et ce qui est vrai, c'est que on a du mal à voir pourquoi cette politique, pourquoi la finance qui était le pire ennemi est devenue les grands copains. Quelle est notre protection sociale? Puisqu'on sait bien que la crise financière terrible dans laquelle notre pays est en train de s'enfoncer et qui pour l'instant ne tient que parce qu'on emprunte à 1,36 ce matin. Hein. Voilà, cette émission est terminée, des conditions un peu spéciales. On a eu vachement de temps pour discuter, puisqu'il n'y a plus d'habillage, il n'y a plus de pub, il n'y a plus rien. Vive, c'est comme sur le service public, vous avez le temps de vous exprimer. C'était Vincent Beaufils, directeur de la rédaction de Challenge, avec cette semaine à la une de Challenge, peut-il réussir? Et il n'y a pas de point d'interrogation, on a compris pourquoi. L'ultimatum de Jacques Attali et le soutien des Français aux réformes, c'est donc la conclusion de notre baromètre. Premier baromètre de la saison avec Odoxa. Tout nouvel institut de sondage présidé et cofondé par Gaël Sliman et cofondé donc avec Céline Braque. J'étais avec Jérôme Dédéant, le président de Débris RS. Et voilà, et donc les conclusions, c'est que on va peut-être pouvoir avancer. En même temps, professions réglementées, seuils sociaux, mesures anti-Duflot et les régions.
c'est bien, mais on sait que le vrai gros structurel, il est principalement dans la réforme de l'État et dans une réforme fiscale. Bon, bref, on va déjà prendre ça si on a réussi à le mettre en place d'ici la fin de la période opérationnelle en politique, avant de rentrer en grande période présidentielle. On se retrouve demain pour les experts. J'espère que l'antenne de BFM Business va reprendre progressivement son fonctionnement normal. Donc, en toute théorie, on va avoir un journal très rapidement. Antoine Larigauderie pour les marchés et à suivre Intégral Placement avec Cédric Decoeur et Guillaume Sommerer. On y va pour les marchés, Antoine. 4444 points. On en parle très très souvent de ce seuil sur le CAC 40. On y est encore, c'est quasi cabalistique et toujours, on s'y retrouve. Du côté des titres les plus actifs de la séance, on a toujours Orange qui signe une progression d'1,96% à 11,69€. Gemalto toujours actif à plus 0,76%, 74,12€. Orange qui est soutenu par une bonne recommandation d'analystes. Et puis on a le secteur financier qui poursuit son chemin à la hausse à l'image de la Société Générale. Plus 0,5%, on est à 41,51€. Le Grand 43,67€. Capgemini 55,59€. On est en hausse de 0,4%. Puis hors indice, on a Air France KLM qui se dégage bien en gagnant. Gagnant 2,5%, le titre qui profite des annonces de prévisions plutôt ambitieuses à moyen terme de la compagnie aérienne. Et tout ça est acheté par le marché. Un petit coup d'œil sur ce qui se passe à la baisse sur le CAC 40. On a Michelin qui recule d'1,24% à 82,19€. Vinci, moins 0,88% à 46,62€. On a Renault, moins 0,8% à 59,56€. Sanofi, 85,75€. On est en train de perdre 0,75% sur le titre. À la baisse, on retrouve aussi ArcelorMittal qui fait l'objet de prises de profit après trois très belles séances enchaînées par le sidérurgiste. Moins 0,7%, on est à 11,18€. Et puis Alcatel-Lucent également qui recule. On est en baisse de 0,68% à 2,63€. Donc le CAC 40, on est en ce moment à 4444 points. Ça ne s'invente pas. Et l'euro, 1,2935$. BFM Business, il est 10h01. On va faire le point sur l'actualité avec le journal qui nous est présenté par Pauline Tadevin. On y va, Pauline. Et on commence avec ce baromètre Odoxa BFM Business Challenge. 68% des Français veulent qu'on accorde plus de liberté aux entreprises pour lutter contre la crise, alors que 31% veulent davantage de contrôle. C'est ce que nous dit ce baromètre ce matin. 58% des Français se disent favorables à une réforme du marché du travail avec une modification des seuils sociaux. La mesure est majoritaire chez les sympathisants socialistes. Bruxelles met la France face à ses responsabilités après le nouveau dérapage des comptes publics qui a été annoncé hier. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Tout de suite, c'est Intégral Placement. 10h06, vous écoutez BFM Business et c'est donc parti pour Intégral Placement. On est ensemble jusqu'à midi et demi, bien évidemment, pour vous escorter dans le monde de vos placements. Et 0,2% pour le CAC et mine de rien, c'est la cinquième baisse d'affilée. On va en parler avec Daniel Fermont. Bonjour Daniel. Bonjour Guillaume. Daniel Fermont depuis la Société Générale et donc une semaine pas terrible pour l'instant pour le CAC 40, cinquième baisse de suite. Oui, tu l'as vu de la semaine, ça commence à faire beaucoup, un petit peu difficile, donc on a perdu environ 1,5%. C'est pas non plus dramatique, je rappelle la bonne surprise jeudi dernier de la BCE, mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'ambiance est morose, avec d'un côté l'économie en zone euro qui reste atone. Le pétrole, il reste à des plus bas de 14 mois, le baril de Brent encore sous les $100 aujourd'hui, le pétrole victime de la surproduction, oui surproduction notamment liée aux productions américaines de pétrole de schiste. BFM Business, Intégral Placement, le point macro. Eh oui, c'est notre point macro comme chaque jour à 7h06 avec Daniel Barbé. Bonjour Daniel. Dominique, bonjour. Barbé. En plus, je me plante. À tout de suite. BFM Business, Intégral Placement, 10h, 12h30, 100% placement. Pour créer votre voyage, je me laisse guider par vos rêves. Mon inspiration se nourrit de vos passions. Pour vous procurer des sensations inoubliables, je n'ai qu'une seule limite, votre imagination. Chacune de mes créations est faite sur mesure. Elle est le reflet de votre personnalité. Pour vous, je crée... Boucherie
Mesguer qui s'invite pendant l'interview là. On s'est rencontrés il y a 6 mois. Depuis le début, entre nous, c'est tout simple. Je me suis dit, mais en soi, ça te coûte rien. Le déclic, elle m'a donné sa carte. On est vraiment connectés. J'aime ma banque. Fortunéo. En ce moment, 80 euros offerts. En direct sur BFM Business, le CAC 40 recule toujours légèrement, moins 0,2%. On est à 4439 points environ. La plus forte hausse du marché aujourd'hui, c'est Air France KLM avec son plan Perform 2020. Un plan supposé notamment relancer les performances et les résultats de la branche moyen et court courrier. Air France KLM gagne près de 3% désormais à 8,71 euros.